Coucou, c'est Deos. Bon, aujourd'hui, on va troller un petit youtubeur. Bon, on va commencer par sa chaîne, son titre de la vidéo. Voyons voir. On peut constater qu'il sait pas écrire. Déjà, je m'appelle Dilos, alors Kikou Dilol, tu t'es trompé sur le titre. Alors, non seulement t'as... Oui, mais on va revenir, t'inquiète pas. Ah, il va se faire démonter. Bon, on va regarder sa petite vidéo, hein. Bon, déjà, mettre une musique qui endort tes viewers, c'est pas en couille, là. Alors, bon, je sais que t'as des goûts de merde en musique, mais voilà, mais pas des musiques qui endort, là, quand la vidéo commence. Comme ça, tu auras plus de crédibilité sur ton troll. Bon, on continue la vidéo. Hein. On va commencer à tuer Dilos. Sauf que bon, il y a son pote qui est en train de le défendre, donc... Ouais, c'est sûr, 3 drones, vous avez du mal à tuer Dilos, hein. Bon, déjà, on va voir que t'arrives pas à me tuer, hein. C'est dommage, parce que, voilà, ça aurait été bien pour ta vidéo, mais malheureusement, c'est pas toi qui me tue, hein, pour les deux scènes, hein. Je vais le montrer d'ailleurs directement, tu vas voir. Par contre, je vais mettre ma propre musique, si ça te dérange pas, parce que toi, voilà, ça sera beaucoup mieux. Voilà, comme on voit, là, t'es en position fétale parce que j'ai saboté ton petit robot. Donc oui, on voit ma mort, mais c'est pas toi qui m'as tué, hein. C'est sur 3 drones, hein. Donc là, maintenant, on va passer pour la deuxième séquence. En plus, t'en fous d'esquive, ça m'énerve, tu vois. Ça m'énerve, tu vois, quand je peux pas me tâter. Attends, t'es où? Attends, je vais bien. Oh, c'est bon, je peux pas dire que t'es pas mort. Bon, allez. Comment tu peux confirmer ma mort si t'arrives même pas à me suivre avec ta caméra? Non seulement t'as du mal à me suivre en mouvement, mais en plus tu dis à droite. À droite où? Où tu vas, Dilos, dans ta vidéo? Non seulement t'as même pas fait un effort de montage, là. Voilà pourquoi je suis venu en venir au début, là. Avec le titre plus la vidéo que tu viens de montrer, là. La séquence de mort. Enfin, de ma mort, et ben t'as. Comment dire, on dirait que c'est un jeu qui parle, c'est pas un Kikou. C'est dommage pour toi. Bon, allez, on continue avec tes commentaires débiles. Pourquoi tu pètes un point? Pourquoi tu tapes? Mais non! Aïe 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 aïe! Là, je m'écarte en fait, tu vois, parce que tu pues un tout petit peu trop la merde. Ah bon, tu te fais victimiser que tu arrives pas à assumer et puis tu joues méca alors s'il pue la merde, toi tu pues la chatte mouillée. Méga est trop, lol. Bon, attends. Ah, pourquoi tu te moques? Bon, là je peux rien te faire là, comme ça. Oh, en plus tu fais l'évasion là. Oh, mais tu vas pas taper dans le méca, tu vois. Comment tu peux rester à mater le kiki de Dilos et attendre ta méca te mettre en position fétale? Même moi j'aurais pu avoir une imagination, d'ailleurs tu serais pas cousin de Matt Podcast. Moi j'aime bien, tu vois. En plus t'en fous d'esquive, ça m'énerve, tu vois. Ça m'énerve, tu vois, quand je peux pas te taper. Normal, pauvre petit Crazyx, quand on sait pas cesser et qu'on tape dans le vide, on est mauvais, ça énerve car on n'a pas le talent comme Dilos. Ah, t'es où? Attends, je m'écarte parce que je sais pas où ce que t'es. T'es où? T'es où? Dilol. Ah, bah t'es mort. Regarde à droite, t'es mort. Oh, c'est bon, tu peux pas dire que t'es pas mort. Oh, allez, salut tout le monde. Au lieu de te mettre en méca, tu aurais pu te mettre en félin pour regarder sur ta carte d'ailleurs. Au passage, ton interface est très moche et puis si tu étais pas aveugle alors que tu joues druide, tu aurais pu utiliser ton cerveau pour te dire que je retournerai au camp. Ah oui, tu en as pas. Merci Vanessa. Bon, t'inquiète pas, c'est pas encore fini, hein. Maintenant, je vais te montrer que même si j'ai pas filmé ta mort, eh ben, je peux le faire en vidéo machine Nima. Bon, j'ai un invité qui s'appelle Pyrrhic. C'est un abonné, bien sûr, et comme on l'a tué à deux, bien sûr, vu qu'il s'est ramené avec son palouf, hein, tout moisi, d'ailleurs, plus sa capote. Pyrrhic, es-tu là? Oui, Dilos, je suis là, je vais témoigner de son crime. Tout a commencé quand Crazyx, on sait pas pourquoi, il vient agresser Dilos alors que Dilos, tout gentil, tout mignon, alors qu'il s'amuse avec son poteau, c'est alors que Crazyx, fou de rage et jaloux, surgit sur Dilos sans explication. Du coup, il envoie tout son beurre sur Dilos et quand moi j'ai vu Dilos se faire attaquer lâchement, j'ai sauté comme un chaton virulent. Comme il savait qu'il allait mourir, il a mis sa capote encore une fois, il tague en arène sa passion favorite. C'est ainsi que les deux Kikou attendaient impatiemment sa venue, donc comme vous vous en doutez, il a réapparu avec tous ses CD, il se jeta encore sur Dilos en faisant la même technique.
Du coup, comme il s'est fait réavoir comme une pucelle effarouchée a pris ses précautions, il a reclaqué sa capote, mais hélas, Dilos disparaît dans l'ombre. Du coup, ce pauvre Krizix cherchait sa cible désespérément, mais malheureusement, il recommence à taguer en arène. Et donc, c'est ainsi que Krizix meurt alors que son tag arène a pas pu se proc à temps pour finir. Il a pas voulu rester son cadavre et c'est pour ça que moi et Dilos l'avons envoyé dans la lave et puis on est allé chercher d'autres victimes. Hey tout le monde, c'est Crazy, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien, se trouver pour une nouvelle vidéo sur World of Warcraft. On va s'occuper de... Sur un